regardez l'émission qui vous regarde. Et ces créatures s'appellent No Jazz. Avec nous ce soir, 4 terriens extra, Maywen, Jean d'Ormesson, Dominique Farouchia et Yuri Djorkaeff. Bonsoir à tous les quatre, bienvenue sur le plateau de Salut les Terriens. Avant de commencer l'émission, je voudrais remercier le million de terriens et de terriennes qui nous regardent chaque semaine. Merci à tous. Merci de votre fidélité. Voilà. Alors, vous allez commenter l'actualité de la semaine, mais d'abord, on va parler un petit peu de votre actualité à vous. Maywen, vous êtes ici ce soir en tant que scénariste, productrice, réalisatrice, actrice d'un film qui s'appelle Pardonnez-moi. Alors moi, j'ai vu le film. Pourquoi Pardonnez-moi? Parce que ça résume ce qu'on a le plus de mal à faire dans la vie, c'est demander pardon. Ouais. Alors, vous avez déclaré, Maywen, répondre à des interviews, c'est comme aller chez ma psy, mais en plus, j'ai le droit de séduire et à rien à payer à la fin. Donc, bienvenue sur ce plateau. Alors, Jean d'Ormesson, ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu, hein, tous les deux, là. Heureusement qu'on se retrouve. Mais je vois que vous êtes toujours très en forme. Oui, vous êtes toujours très en forme. Encore un été caniculaire de passé, vous êtes là à la rentrée. Ça j'attends fait toujours l'hiver. Plaisir. Enfin, c'est plus facile de résister à la canicule qu'en famille mortelle, évidemment. Vous avez prévu de faire quoi pendant les 100 prochaines années, Jean? Je crois que c'est Woody Allen qui répondait « Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous dans 100 ans ?» Ouais. Et il répondait « Il n'est pas mal encore !» Alors, votre livre, Jean, s'appelle « La création du monde ». Vous aviez quoi, 15 ans à l'époque, non? Alors, le pitch, pendant 8 jours de vacances, le narrateur, qui est romancier, et 3 amis à lui, lisent et commentent un manuscrit d'un certain Simon Lacedème, c'est d'ailleurs le nom du juif errant, hein, comme quoi ça se suit tout ça, qui prétend avoir parlé avec Dieu dans ses rêves. Voilà, puis il y a une chute. Voilà. Vous savez ce que c'est, ce livre? C'est un livre, au fond, sur l'étonnement. Oui. L'étonnement d'être là. L'étonnement d'être ici. Oui, je comprends l'étonnement ça. Devant la parole. Je pense quelque chose dans ma tête, ça se change en son, ça entre dans votre oreille, et vous le changez de nouveau en pensée, et vous me répondez. Ouais. C'est stupéfiant tout oui, ça. Ça va, tout ça est stupéfiant. Alors, j'imagine, Jean d'Ormesson, que comme depuis 40 ans, comme depuis Au revoir et merci, c'est votre dernier livre, non? C'est très difficile d'écrire, mais c'est encore plus difficile de ne pas écrire. Ouais, on vous souhaite de vous arrêter jamais, en tous les cas. Et puis je me suis dit, il y a Salut les Terriens, il faut quand même que j'écrive voilà, un c'est livre ça. Pour y passer. Bah oui, je suis ravi de vous avoir. C'est... Voilà, Hit me. Dominique Farrugia, votre actu, c'est le double DVD Objectif Nul. Les épisodes qui sont passés qu'une seule fois à la télévision et qui n'existaient qu'en cassette. Alors, sortir ce DVD maintenant, à l'approche de Noël, c'est une coïncidence, une incroyable coïncidence. C'est une incroyable coïncidence. Et d'ailleurs, ça fait 3 fois que ça tombe comme ça, parce qu'on a sorti 3 DVD qui sont plutôt pas mal vendus. Et même le prix fait rire, donc les gens l'achètent très tranquillement. Alors, il y a le double DVD des Nuls, puis il y a aussi la mise en scène de Et après, au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, de et avec Elena Noguera, avec Anne de Petrini, Florence Thomassin, Valérie Bonneton. Ouais, je l'ai vu, c'est vachement bien. C'est bien? Ouais. Yuri Djorkaeff, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Voilà, Yuri Djorkaeff. Yuri est avec nous grâce à 24 heures sur la planète sport, sur Canal+. Ça dure 2 jours. Hein. Tout à fait. On est ravis de vous avoir. Alors désormais, vous êtes à la retraite. Est-ce que cette retraite, on peut dire, Yuri, que c'est avant tout la victoire d'un collectif? Non, c'est... C'est une victoire, c'est une victoire. Non, c'est une victoire. Parce que quand on arrive à la retraite, c'est qu'on a déjà fait un bon bout de chemin dans sa carrière et c'est une certaine victoire. C'est bien ce boulot, hein, Jean, quand même. Ils sont à la retraite très, très jeunes, quoi. Ils ont le temps d'en profiter, eux, au moins. Oui, oui. Pas comme nous. Oui. Moi, je suis pour que les jeunes aillent à la retraite.
Alors, vous avez du temps libre maintenant. Rassurez-moi, vous n'allez pas vous remettre à la musique quand même. Ouais, je viens à chaque fois et le fait et tout. Hit me! Alors, bienvenue donc à tous les quatre sur le plateau de Salut les Terriens. Nous allons commenter l'actualité de la semaine et on commence avec bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Alors, le DVD de Vidocq est en vente à 1 euro sur www.cd.com. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est une très bonne nouvelle même. Il est toujours en vente. Voilà. À 1 euro. Nicolas Anelka, de retour en équipe de France de foot. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Ouais, super. Ouais. Ah ouais. Il mérite. Bah oui, il mérite. Ouais. Michel Sardou sort un album. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Alain Juppé sort un livre sur sa vision de la France. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle. Plus il y a de livres, plus... Ouais. Plus on rit. On n'a pas des armes quand même pour faire oui. ça. Genre. Oui, mais on cale des armoires aussi, ça peut aider. Ça peut aider à caler des armoires, oui, effectivement. Ah, on n'a plus du tout de nouvelles d'Alain Madelin. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Très bien. Madame Chirac qui laisse clairement entendre que son mari pourrait se présenter une troisième fois à l'élection présidentielle. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Ah ouais. J'étais chiracien, ouais. Mais l'idée qu'il se représente me paraît désastreuse. Vous pensez qu'il faut qu'il prenne sa retraite maintenant? Voilà. Qu'il fasse de la musique. Qu'il fasse. Saddam Hussein qui va sans doute être condamné à mort une deuxième fois. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? Une deuxième fois. Je ne pourrais jamais dire que c'est une bonne nouvelle que quelqu'un meure de mort violente. Ouais. Si c'est une mort douce. Si c'est une mort douce. Ça se discute, hein. Moi, ce que j'aime, surtout quand je parle, c'est qu'on meurt de rire. Ouais, bravo. Merci, notre jazz. Alors on commence la revue de l'actualité de la semaine chez les Terriens avec la folie médiatique qui s'est emparée des politiques. On se demande qui gouverne. L'objectif semble être de se faire remarquer à tout prix, de monopoliser l'attention. Et on n'est qu'à 5 mois des élections, ça promet. Alors on regarde et on en parle après. Ça faisait quasiment un an que les socialistes avaient prévenu qu'ils organiseraient une grosse fiesta médiatique le 16 novembre. Toutes les caméras de France étaient conviées le jeudi, histoire de se laisser le week-end pour commenter les résultats. Eh bien, Sarkozy était tellement angoissé à l'idée qu'on arrête de parler de lui qu'il n'a pas pu s'empêcher d'organiser le même jour une petite contre-fiesta médiatique. L'UMP allait convoquer la presse pour parler des législatives. Pourtant, on ne peut pas dire que Sarkozy ait manqué d'exposition médiatique au cours de la semaine. Au cours des 3 jours de son voyage officiel en Algérie, impossible de compter le nombre de micros et de caméras qu'il a croisés. Mais les médias ne servent pas seulement à préparer les présidentielles. Ils permettent aussi au ministre de l'Intérieur de faire entendre la voix de la France sur les sujets importants. Chacun d'entre nous, nous devons cheminer. Nous encourageons les comportements vertueux vers l'apaisement et vers l'avenir commun. Ah, excusez-nous pour ce petit problème technique, mais il semblerait qu'il y ait en ce moment plusieurs voix de la France qui parlent tout en même temps. En effet, cette semaine, Villepin a organisé un grand raout médiatique sur l'écologie à Matignon, pile au milieu du voyage officiel de Sarkozy en Algérie. Pourtant, il ne faut pas imaginer que ce soit toujours les hommes politiques qui courent après les médias. Quand Nicolas Sarkozy annoncera sa candidature, ce sera au tour des médias de lui courir après. On a beau faire de l'info, on aime aussi faire de l'audience. La pression monte en attendant de connaître la date de l'événement, mais si par exemple c'était le 29 novembre, ça pourrait gâcher l'anniversaire de Chirac qui est né ce jour-là. C'est bien comme ça que ça marche, non? Voilà, alors la folie médiatique qui s'est emparée du monde politique, c'est incroyable, non? Vous trouvez pas? Vous demandiez qui gouverne, mais c'est vous. Ouais. Évidemment, c'est vous. Ouais. C'est la télévision, alors pour le meilleur ou pour le pire. Et la deuxième chose, peut-être qui est très frappante, c'est que dans chaque camp, non seulement on combat l'autre camp, mais on se combat dans son propre camp. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup Sarkozy, mais je crois qu'au fond, je lui conseillerais de se taire. Vous vous rendez compte, Jean, que Sarkozy, en 10 ans, il est passé 4200 fois à la télévision. C'est ça, incroyable. Quand on lui dit... qu'on parle beaucoup de lui, qui parle beaucoup de lui, il répond « Je communique sur moi, c'est encore le sujet que je connais le mieux. » Moi, ce que j'aime, par exemple, c'est me retirer et qu'on me réclame. Oui, bien sûr. Voilà. Bien entendu.
Alors Sarkozy, c'est ce qu'il a fait. Il a étudié toutes les déclarations de candidature de la Ve République depuis Pompidou, et il se demande comment il va se déclarer. Alors, il y a plusieurs styles. Il y a Giscard, c'était Chamalière. Il y a Chirac, c'était la Voix du Nord. Donc là, il étudie, il se demande comment il va faire. Et il pense à Internet, même. Qu'il ne le fasse pas par fax, comme Jospin, ça lui a porté malheur. Hein. Mais alors, il n'y a pas que Sarkozy, parce que Ségolène, par exemple, il y a eu des photos d'elle dans l'Express récemment, où on la voyait enfant, adolescente, etc. Et elle a gueulé, elle a dit c'est pas bien, c'est pas normal, etc. Et en fait, ces photos étaient extraites d'un envoyé spécial diffusé sur France 2. Et à l'époque de la diffusion, c'est elle qui faisait le commentaire du documentaire. J'ai un peu de mal avec Ségolène parce qu'il y en a deux que je confonds tout le temps, c'est Alliomari et Ségolène. Oui. Il y en a une qui est cheftaine à gauche et l'autre qui est cheftaine à droite. Oui. Mais je les confonds un peu. Est-ce que vous ne croyez pas, Jean, que le suffrage universel, qui est la meilleure des solutions, bien entendu, mais mélangé aux médias, ça donne quand même un cocktail assez inquiétant, non ? Disons les choses très simplement, tout le monde le savait d'ailleurs, mais on le voit maintenant avec éclat, l'image l'emporte sur l'idée. Mmh, absolument. D'où Ségolène. Ouais. Alors cette folie médiatique, c'est la porte ouverte à toutes les rumeurs. Voici les 5 rumeurs de la semaine. Le poilu de 111 ans décédé la semaine dernière serait mort étouffé par ses propres poils. Laurent Fabius aurait pris sa carte de l'UMP pour tenter sa chance aux primaires à droite maintenant. Zidane aurait trompé Adidas en portant une paire de Nike à la sortie d'une boîte de nuit. Ségolène Royal se laisserait pousser la moustache pour faire plus de gauche. Et Guy Carlier aurait mangé Marc-Olivier Fogiel venu lui rendre visite dans sa clinique. Alors Dominique, et après, au théâtre de la Gaîté Montparnasse, donc le pitch, après s'être marié et avoir eu beaucoup d'enfants, Blanche-Neige, Peau d'âne, Cendrillon et La Belle au bois dormant constatent que le prince n'est pas tout à fait charmant et qu'elles ne sont pas les irréprochables princesses de contes de fées qu'on croyait. Hein. Mais c'est la crise de la quarantaine, de la 35e chez les héroïnes de contes de fées. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La Belle au bois dormant fait des petites siestes d'une semaine, non ? Non. Elle s'est réveillée. Tout d'un coup, elle se réveille et puis son mari la trompe. Elle la trompe avec un homme, donc ouais. C'est bizarre. L'autre est contente de son mariage, mais ça, les enfants ne lui plaisent pas vraiment, donc c'est embêtant. Puis elle ne connaît pas leur prénom, donc c'est encore plus embêtant. Il y a plein de choses très drôles. Blanche-Neige s'est reconvertie dans la cocaïne ? Non. Non. Ça m'aurait fait plaisir il y a 10 ans, ça. Ouais. Bon, on se retrouve après la pub pour la suite de Salut les Terriens. Rebonsoir Mewen, rebonsoir Jean Dormesson, rebonsoir Yuri Djurkaev, rebonsoir Dominique Farrugia. Merci. Alors Jean Dormesson, on va parler de votre livre, mais comme on me dit que vous appelez aussi Jean Lefebvre, on va faire un test d'identité, je serai plus tranquille quand même. Votre vrai nom, c'est Jean Lefebvre ou Jean Dormesson ? Jean Bruno Vladimir François de Paul Lefebvre Dormesson. Oh putain ! Dis Jean Dormesson. On va voir si c'est bien vous quand même. Votre numéro à l'Académie française, c'est combien ? 12. Ah ouais, 12. Vous êtes remplaçant alors. Ah ! Est-ce qu'on dit un ou une pétale de fleur ? Un. Bien. Qu'est-ce qu'une tapineuse ? Une tapineuse ? Non. Non. C'est marrant, ces académiciens quand même. C'est eux qui sont en train de nous voler le boulot, là. Ouais. C'est terrible. Une tapineuse, Jean. Une tapineuse. C'est ce qu'attrape une tapineuse. Non. C'est une figure de style exprimant de manière satirique
une idée péjorative. Ah, bravo. Bravo. Qu'est-ce qu'une anacolute? Une anacolute, c'est une rupture. Ouais, bien. C'est une discontinuité dans la construction d'une phrase. C'est le vrai Jean d'Ormesson. Que fait un ictalope? Un ictalope, il voit la nuit. Bravo, Jean. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'une marisalope? Une marisalope? Oui. Je crois que c'est une forme de bateau. Bien, un bateau à fond plat. Un bateau très bien. À fond plat. Alors là, attention, faux amis. On peut se demander si je m'y connais en bateau ou si je m'y connais en salope. Salope, oui, absolument. Qu'est-ce qu'une cunicultrice? Ça doit être quelqu'un qui cultive le cunilingus, non? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui élève des lapins, genre « Eat me !» Alors, la création du monde chez Robert Laffont, donc, pourquoi cette idée de donner la parole à Dieu? Probablement que tout romancier se prend un peu pour Dieu, et moi j'ai pensé que Dieu était le plus grand des romanciers. Ah oui, ça c'est clair. Et hein. Que souvent il y a des gens qui disent « ma vie est un roman », mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que notre existence à tous, l'existence même du monde, l'existence de l'univers, ben tout ça me paraît être un roman extraordinaire. Ah, ça vous permet en tous les cas d'échapper à l'autofiction qui est tellement prisée de nos jours. Ah oui, ça me permet de faire autre chose que les autres. C'est un livre qui est parti sur le sentiment de « qu'est-ce que je fais là hein? ?» et quand vous vous dites, quand vous êtes à l'Académie française, vous dites « qu'est-ce que je fais là avec tous ces types habillés en scarabée ?» Oui, je fais ça à l'Académie, je fais ça aussi ici. Ici, bien tout sûr. Tout à coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et vous, vous ne vous dites jamais, qu'est-ce que vous faites là? Si, sûrement. Ouais. Tout à coup, on se dit, mais mon Dieu, c'est ça la vie? Bah, oui. Alors, les ventes sont excellentes, hein, genre les critiques aussi. Plus personne ne vous tape dessus, quoi, maintenant. C'est peut-être triste, ça, non? Oui, ouais. Hein? Ouais, peut-être. Ouais. Alors, ça s'appelle La création du monde, c'est chez Robert Laffont, et c'est de Jean d'Ormesson. Alors cette semaine, l'actualité mondiale, c'est aussi la démission de Donald Rumsfeld, jugé responsable du fiasco irakien. Et maintenant, c'est lui que certains veulent juger. On regarde à quoi ça ressemble, on en parle après. Dans la saison 4 de 24 heures, les scénaristes avaient imaginé le secrétaire d'État à la Défense jugé pour crime de guerre en direct sur Internet. Vous avez été amené devant ce tribunal pour être jugé en tant que criminel de guerre. Deux ans plus tard, la réalité rejoint tant bien que mal la fiction, puisque Donald Rumsfeld pourrait être jugé pour crime de guerre. Bien sûr, tout n'est pas comme dans 24 heures. Par exemple, dans 24 heures, le secrétaire d'État ne porte pas de lunettes, alors que dans la réalité, Rumsfeld en porte. Dans 24 heures, ce sont d'odieux terroristes barbus qui ont enlevé le secrétaire d'État pour le juger, alors que dans la réalité, c'est un petit chauve à lunettes qui a patiemment rédigé un rapport de 220 pages accusant Rumsfeld d'avoir couvert la torture en Irak. Ses clients sont d'anciens détenus des prisons américaines en Irak et à Guantanamo. Je pense que les circonstances ont changé. D'abord, bien sûr, Rumsfeld n'est plus ministre. Il ne devrait donc plus y avoir de pression politique. Ah oui, en plus, Rumsfeld n'est même plus secrétaire d'État à la Défense depuis que Bush l'a écarté après la victoire des démocrates. N'empêche, si la justice allemande qui a reçu la plainte décide d'ouvrir un procès, c'est toute la politique américaine en Irak qui sera jugée pendant des mois sur nos écrans. Un programme télé qui pourrait avoir autant de succès que 24 heures. Et finalement, après le procès de Saddam Hussein, le procès de Rumsfeld donnerait l'impression que l'Amérique ne vaut pas mieux que ses ennemis. Maintenant, si vous voulez savoir ce qui se passera l'année prochaine dans l'actualité, sachez que dans la saison 5 de 24 heures, c'est carrément le président qui mène un complot terroriste contre l'Amérique. Voilà, alors faut-il juger Donald Rumsfeld? C'est la question. Yuri, aux États-Unis, vous étiez là-bas quand il a démissionné. S'il a commis certains crimes, oui, bien sûr. Pourquoi il y aurait de justice? Mais Owen? Là, je vais vraiment dire des grosses conneries, donc je préfère vraiment rien dire. Jean, est-ce qu'il faut juger Rumsfeld? Tant qu'il était fort, on ne pensait pas à le juger. Et quand Staline était fort, on ne pensait pas à le juger. Et si les Américains avaient été battus en 1945, est-ce qu'on n'aurait pas jugé ceux qui avaient lancé la bombe atomique? Vous étiez contre la guerre en Irak. Avoir détruit l'Irak, qui faisait contrepoids à l'Iran, c'est vraiment pas malin. Ouais. C'est vraiment des couillons, quoi. Ah, c'est vraiment bête. Oui. C'est vrai. En tous les cas, il paraît que les Américains cherchent un moyen de quitter l'Irak. Moi, je leur conseille l'avion, tout simplement. Hit me! Mais, pardon de faire chier, mais
ils ne peuvent plus quitter l'Irak. Ouais. Ils doivent rester là-bas, parce que s'ils s'en vont, il y a une guerre civile. Et s'il y a une guerre civile, c'est terrible, et c'est le chaos total dans la région. Oui, absolument, vous avez absolument raison. Il ne fallait pas qu'ils y aillent, et maintenant qu'ils y sont, il ne faut peut-être pas qu'ils en partent. Quelle horreur. C'est tragique. C'est horrible, c'est tragique. C'est tragique. C'est ce qu'on appelle un piège. Ouais, oui, total. Voilà. C'est ce qu'on appelle un piège. Avant de passer au sujet suivant, voici les 5 raisons pour lesquelles Rumsfeld a vraiment démissionné. C'est le début de la nouvelle star américaine, il ne voulait pas en louper une. Bush refusait son idée d'envahir la Norvège, qui a aussi beaucoup de pétrole. En tant que secrétaire de la Défense, il en avait marre de faire des cafés tous les jours. Il faut savoir partir quand on est au top. Et Donald s'en va, mais Dingo reste. Alors, dans son interview au Nouvel Observateur cette semaine, Bernadette Chirac souhaite que son mari se représente une troisième fois, donc, et explique aussi qu'en politique, l'heure des femmes est venue et qu'elle n'est pas étonnée du succès de Ségolène Royal. Elle ajoute, elle a un look, elle est très photogénique. Bref, est-ce que Ségolène Royal ne serait pas la nouvelle Miss France ? On regarde et on en parle après. Bienvenue dans les hautes sphères du pouvoir. Nous sommes à Matignon où cette semaine, le Premier ministre a réuni les grands patrons pour signer un accord très important sur l'écologie. Eh ben vous, je sais pas, mais moi je trouve ça dingue la densité d'hommes blancs de plus de 50 ans en costume sombre dans les hautes sphères du pouvoir. Alors bien sûr, Ségolène Royal a fait l'ENA. Bien sûr, elle a commencé la politique avec Mitterrand, mais au moins elle ne porte pas de costume sombre. Déjà il y a 15 ans, elle communiquait sur son image de femme et de mère à la naissance de sa fille. Mais l'année cruciale pour Ségolène, c'est 2004. La gauche gagne les régionales et elle devient la seule femme présidente de région en France. Aujourd'hui, elle pourra devenir la première femme présidente de la République, ce qui permettrait à François Hollande de succéder à Bernadette Chirac. Des femmes au pouvoir, voilà une idée qui fait son chemin dans le monde. Aux États-Unis, Hillary Clinton sera peut-être un jour présidente. Au Chili, Michelle Bachelet est déjà élue, ainsi qu'en Allemagne, Angela Merkel. Elle était donnée favorite et elle n'a gagné que de très peu. On a même cru que Schröder lui contesterait la victoire. Ah, les hommes blancs de plus de 50 ans en costume sombre ne laissent pas facilement leur place. Alors, Mewen, bon, vous intéressez pas à l'Irak, ce que je peux comprendre, mais là, Ségolène, vous la connaissez quand même. Oui, quand même. Oui. Est-ce que vous l'aimez ? Oui, je l'aime bien. Ah oui, vous voterez pour elle ? Non, enfin... Non, moi, je suis très engagée écolo. Ah ouais. Ah bon. Ouais, j'ai fait chier tout le monde pour... Je pense qu'on reproche aux politiques de rien faire, mais Kennedy, un jour, il a dit une phrase qui m'avait bouleversée. Il avait dit, vous me reprochez d'être responsable de votre pays, mais... Moi, je vous demande qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ouais. Et c'est à nous tous de participer et... Voilà, je suis pour la défense de la planète en numéro 1. C'est une vraie terrienne, cette Mewen. Si vous voulez ma réponse, je ne voterai pas non plus pour Ségolène Royal. Ouais. Mais ce qui m'intéresse, c'est Hollande. Vous savez son prénom, maintenant ? Non. On l'appelle Cécilio. Ah oui. Cécilio. Ah, Cécilia. Oui. Bravo. On est dans le même cas, là, si tu veux. Non, qu'est-ce que t'en penses, toi, alors, de Ségolène ? Tu penses qu'elle sera plus près des gens qu'un homme ? Ça va peut-être ouvrir des perspectives à son adversaire, à l'homme en face. Ça va peut-être changer la façon de penser à l'homme politique. Ouais. C'est pas mal, je trouve. J'aime beaucoup les femmes. Oui. Mais Ségolène Royal... Pourquoi ? C'est un peu Blanche-Neige dans un film de terreur, je trouve. Ah ! Ça fait plaisir à Dominique, qui s'occupe de... Imagine, donc, Ségolène à droite, vous votez pour elle ou pas ? Ah, sûrement pas. Oh, allez, allez. Dites-moi, vous ne trouvez pas quand même qu'elle utilise très habilement l'argument de la féminité malmenée, finalement ? Non. Moi, j'ai connu Christine Bravo comme ça. Dès qu'on faisait une critique à Christine Bravo, elle disait « Ah, bah, c'est parce que je suis une femme. » On peut souhaiter à Ségolène, c'est d'avoir une émission sur France Télévisions ? Oui. Le samedi. Le samedi. À 19h. On s'achemine vers un deuxième tour Ségolène-Sarkozy. Alors, pour bien savoir qui est qui, on va faire un Ségo-Sarko-quiz. Alors, 1m65, Ségo ou Sarko ? Sarko. 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 Bien, Mewen. Les camps de redressement ? Ségo. Les deux. Les deux. Ah, on a droit à les deux. Ah, bien sûr, ça peut arriver. Faire bosser les profs, Ségo ou Sarko ? Ségo. Ségo, c'est bien. Défendre un commerçant qui a tué un voleur ? Sarko.
C'est bien, les enfants. En maillot de bain, dans VSB. Les deux. Faoudia, les deux, ouais. Absolument. Les deux. Ne fait pas l'unanimité dans son camp. Les deux. Excitant sexuellement. Sorti du cœur. Hein. Ah, alors, populiste, limite démago. Sego ou Sarko? On peut dire les deux. Les deux. Obsédé par le contrôle de son image. Sego ou Sarko? Sarko. Les deux. Détesté par Chirac. Sarko. Je pense qu'il déteste plus Sarko que Sego, Chirac. Ouais. C'est ce qui est absolument terrible. Il est sûrement beaucoup plus proche de Sego que de Sarko. Ouais. Plutôt pas mal en jupe, Sego, Sarko. N'aime pas parler de sa vie privée, mais pas contre un petit reportage sympa dans Match. Les deux. Ouais. S'épile régulièrement le maillot. Les deux. Cette semaine, l'actualité, c'est aussi Jean-Marie Le Pen. Il pourrait se retrouver au deuxième tour des présidentielles. Alors, ce qui est bien, c'est que cette fois, on est prévenu. C'est la différence avec la dernière fois. Enfin, ça va être dur, cette fois, d'expliquer que c'est la faute de Jospin, hein, quand même. Donc, il va falloir se bouger le cul. Alors, notre seule chance, c'est qu'à 79 ans, avec Alzheimer, peut-être qu'il va oublier de se présenter. On regarde et on en parle. Dans quelques instants, nous allons vous donner les noms des deux finalistes pour le premier tour. Regardez bien. Cette fois, on ne pourra pas dire que c'est une surprise. Si la photo de Le Pen apparaissait le 22 avril 2007 à 20h sur nos écrans, on l'aurait vu venir de loin. Normalement, certains électeurs devraient se souvenir qu'il vaut mieux aller voter avant plutôt qu'aller manifester après. Normalement, personne n'a oublié le record historique d'abstention en 2002, 28,6%. Normalement, Sarkozy, en prenant la rupture et les méthodes fortes, devrait prendre des électeurs à Le Pen. Ça prouve que ce qu'on a appelé, de manière un peu plaisante, la lepenisation des esprits, est en marche. Mais il se passe tellement de choses surprenantes en France. Est-ce que ce n'est pas surprenant qu'un ancien candidat anti-FN visite la fête du Front National? Dieudonné Mbala. Est-ce que ce n'est pas surprenant qu'il semble même trouver à la télévision des raisons pour voter Le Pen? Son âge l'amène à prendre un peu de recul, j'imagine, par rapport à un parcours. Il a certainement commis beaucoup d'erreurs. Et il va certainement avoir un discours qui va évoluer, on va voir. Une nouvelle présence de Le Pen au second tour créerait-elle des incidents, une révolte, les conditions d'un changement radical? Nous ne sommes peut-être pas au bout de nos surprises. On se souvient que normalement, le oui à l'Europe devait l'emporter. Alors quand on vous dit que normalement Le Pen ne sera pas au second tour, vous n'êtes pas obligé de le croire. Est-ce que le scénario de 2002 peut se reproduire, Jean d'Ormesson? Tout est possible. Si Chirac et Alliot-Marie se présentent, vous aurez Le Pen contre Ségolène. Ouais. Voilà. Et inversement, s'il y a des divisions très fortes à gauche, vous aurez Le Pen contre Sarkozy. Ouais. Un jour, je suis tombée sur votre émission, tout le monde en parle, et vous avez invité Marine Le Pen. Oui. Et moi-même, qui suis d'origine algérienne et qui suis à fond contre ce monstre, je me suis sentie, pendant quelques secondes, en compassion de cette femme. Je me suis dit... Ah bah oui, peut-être que c'est pas si con. Et après, on m'a remonté le mental, on m'a dit, mais tu t'entends parler? C'est une vieille question, est-ce qu'il faut ostraciser ces gens-là? Ou est-ce que, en tous les cas, la façon dont on a lutté contre Le Pen jusqu'à maintenant n'a servi à rien, puisqu'on parle de lui au deuxième tour. Donc... Oui, mais je trouve que y a un... elle est très dangereuse, sa fille. Oui, voilà. Je sais bien, elle est beaucoup plus dangereuse que lui, parce qu'elle est moins moche. Et je le dis... Je suis ardemment contre Le Pen. Mais je suis partisan qu'on le laisse parler. Il faut laisser parler ses adversaires et il faut donner aux adversaires les mêmes chances qu'à ceux qui ne sont pas nos adversaires. Oui, et je serais très choqué s'il n'obtenait pas les 500 signatures qu'il faut, car ça le renforcerait encore. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'âge de Le Pen, c'est plutôt 500 signatures de médecins qu'on devrait exiger plutôt que 500 signatures d'élus. Enfin... Mais au fond, est-ce qu'il est normal dans la démocratie actuelle qu'un Français sur cinq ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale? C'est toujours la même question. C'est anormal. Ouais. C'est anormal.
C'est anormal qu'un type soit au deuxième tour et que personne ne le représente à l'Assemblée nationale. C'est bizarre, quand même. C'est totalement fou. Alors, Dieudonné donc, s'est rendu dimanche dernier à la fête des Bleus, Blancs, Rouges. Alors, pour un comique, on peut dire que ce n'est pas très drôle comme sketch. Hein, c'est le moins qu'on puisse en dire. Il paraît qu'il va assister à des barbecues du Ku Klux Klan maintenant, Dieudonné. C'est vrai qu'après Élie et Dieudonné, on ne s'attendait pas trop à Jean-Marie et Dieudonné. C'est terrible quand même, parce que Dieudonné sur LCI a dit il faut cesser de dire que cet homme-là est le diable quand même. Donc là, c'est très très bizarre. Il a perdu la raison, ce garçon, on le sait depuis longtemps. Ouais. Moi, je l'aimais bien de son vivant. Maintenant, il est mort, on le sait. Il n'y a plus rien à tirer de ce garçon. Là, c'est aussi les médias, faut pas le passer. Encore Le Pen, t'es obligé, mais Dieudonné, ouais. T'es pas obligé. Ouais. Alors, on va voir si vous connaissez bien Le Pen. On va faire un Le Pen quiz. Ah. Si la France va mal, c'est la faute de... Les étrangers, monsieur. Très bien. Si les immigrés ne sont pas contents, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils rentrent chez eux. Quelle idée. Que devraient faire les joueurs de l'équipe de France? On nous a reproché de pas chanter la Marseillaise. Ouais. Quelle est la première mesure à mettre en place pour relancer l'économie? Mettre les immigrés dehors, ça, c'est... Revenir au franc. Voilà. Ah, revenir au franc, pardon. Ah oui, c'est bien, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Comment fut l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale? Sympa. Il a dit pas particulièrement inhumaine. Il pique toutes les allocations, ce sont les... Les Arabes. Très bien. Où est-ce qu'on n'est plus chez nous? En France. Chez nous. Un jeune dans une grosse voiture, c'est un... Un dealer. Un dealer, très bien. Ah, ouais. La plus belle femme du monde, c'est... Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, bravo. Ah, bravo. J'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous connaissez tout le monde? Ouais. Voilà, Stéphane Guillon qui vient de publier un livre dont je n'ai pas le droit de donner le titre. Non. À cause du CSA. Stéphane Guillon qui est sur scène tous les soirs. J'ai pas le droit de dire où. Non plus. À cause du CSA. En revanche, moi je suis pas rancunier, je vais donner l'adresse... du CSA, c'est 43 quai André Citroën. Allez-y, c'est un endroit formidable, quoi. On passe un très très bon moment. Voilà. Alors Stéphane, votre revue de presse de la semaine. Oui. Politique, on commence par un scoop. Ce matin, une cassette de Ségolène Royal nous est parvenue. Des images très intimes, la madone du PS déguisée en enseignante, sa couple avec François Hollande habillé en directeur d'école, des propos très crus, vas-y François, traite-moi de feignasse, fais-moi un RTT, j'adore ça. Également, un poster nous est adressé, attention, c'est un collector, Madame DSK, Anne Sinclair en tenue sadomaso. Wow. Dommage que Strauss-Kahn ait perdu, vous auriez été tous les soirs à l'Élysée, Thierry. Voilà. En revanche, le couple Le Pen, Jeannie et Jean-Marie sont à la campagne. Ça, c'est dans le domaine de la vie privée. La vie privée, ça. Politique toujours, Bernadette Chirac souhaite un troisième mandat pour son mari. Vous avez vu comme il est en forme, s'écrit-elle. C'est vrai, hier, Jacques a fait un puzzle entier avec Jacques Martin et Paul Lou Sulitzer, venus jouer avec lui à l'Elysée, c'est prometteur. Ah. Est-ce qu'on peut voir les deux photos ensemble, Bernadette et Anne Sinclair? Ouais. Ça, il n'y a pas photo, hein. Non. À chaque pièce jaune, un coup de fouet. Ça donne envie de casser sa tirelire. Société, les prisons de la honte, titre Le Parisien. Drogue, viol, bizutage, surpopulation. Faut pas exagérer. Non, ce qui est surtout dur, c'est la télé allumée 24 heures sur 24. TF1 en boucle, ça explique le nombre de suicides. Non, c'est vrai. Se faire sodomiser en regardant Bataille et Fontaine, c'est la double peine. Vie pratique, une taxe écolo fait flamber les prix. Plus 13 euros pour un congélateur. Conséquence, depuis mercredi, les nourrissons sont rangés dans le jardin. Attendez, c'est pire après. C'est toujours pire. C'est toujours pire.
Médecine, le Viagra féminin disponible dès janvier. Malheureusement, des effets secondaires sont à craindre. Acné et pilosité abondante. Si votre femme a de nouveau envie de vous, c'est vous qui n'avez plus envie d'elle. Sport. Sport. Sarkozy a remis la médaille de bronze à la conductrice du bus incendié à Marseille. Si elle avait été brûlée avec son bus, elle aurait été médaille d'or. À ce niveau de la compétition, ça se joue à rien, hein, Yuri. Hein, c'est des détails. C'est vrai, entre un deuxième et un premier, c'est quoi? C'est un coup de boule, la différence. C'est vrai. People, une info gala. Paris Hilton dort dans un lit à 20 000 dollars. Quitte à coucher avec une conne, autant que la literie soit top. Dans le magazine Femme Actuelle, Isabelle Giordano raconte Monica Bellucci. Déjà, Monica Bellucci, c'est chiant, raconté par Isabelle Giordano. On atteint des sommets. Très juste. Dans Gala, un très beau reportage sur les années yéyé, notamment une photo de Mike Brandt avec son Doberman. Quand Mike a sauté par sa fenêtre, le chien a suivi. C'est con d'être fidèle. Estelle Lefébure propose un calendrier très coquin pour l'UNICEF. Faites-vous une petite douceur tout en aidant les plus démunis. La branlette humanitaire, un nouveau concept. UNICEF toujours, ce soir TF1 fête les 60 ans de l'organisation. Une cérémonie doublée d'une expérience scientifique pour égaler le coefficient intellectuel d'une animatrice brune. TF1 utilisera les cerveaux de deux animatrices blondes. Pour l'occasion, 500 petits choristes chanteront. Ça aurait été chouette d'inviter Michael Jackson. Tous les mômes auraient chanté avec Bambi, prendre un enfant par la main d'Yves Duteil. Ça aurait eu de la gueule. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Stéphane Guillon. On se retrouve après le zapping et la pub pour la troisième partie de Salut les Terriens. Bonsoir Mewen, re-re-bonsoir Chandormeçon, re-re-bonsoir Yuri Tchorkaev et re-re-bonsoir Dominique Baroudia. Bienvenue. Alors Mewen, pardonnez-moi, donc c'est l'histoire de Violette qui est enceinte et qui décide d'offrir à son bébé un film sur sa famille. Alors au départ, évidemment, c'est inspiré de faits réels, mais après il y a pas mal de bidouillages autour. Oui, c'est comme ça que je fonctionne. Tout ce que j'ai pas réussi à faire dans la vie, je me le suis fait faire dans le film. Ouais. C'est mon fantasme. C'est ton fantasme. Alors, il y a des scènes d'une violence absolue, assez masochiste quand même, des scènes où vous basculez vraiment, quoi. Mais oui, je voulais dire que quand on est habitué à recevoir des coups et de la douleur pendant un certain temps, après, à 25 ans, ben, on est en manque. Et le seul amour qu'on connaît, c'est la violence. Donc, du coup, on est en manque de violence. Et j'ai voulu montrer la douleur sous toutes ses formes. Et c'est vrai que parfois, on devient masochiste. C'est plus facile d'être malheureux tout le temps que d'être heureux de temps en temps. L'avantage, quand on est malheureux tout le temps, c'est que ça peut qu'aller mieux, remarquez. Oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. Alors, vous dites, avec une caméra, je me sens plus forte. Et c'est vrai qu'en voyant le film, je me suis dit que c'était un petit peu... Alors, Jean saura de quoi je parle, mais c'est un peu... La caméra est un peu comme la lanterne dans la caverne de Platon. Oui, c'est l'arme de Violette et elle arrive à affronter tous les gens de sa famille par l'intermédiaire de cette caméra et obtenir des non-dits, soulever des tabous. Ouais. Et c'est ce que j'aurais adoré faire et que j'ai fait dans le film. Voilà. Alors c'est un film très intéressant, vraiment godardien, je dirais. C'est un compliment dans ma bouche. Ah bon, et à un moment, il se couvre le visage de crème pendant un repas et on pense à la peinture bleue dont Belmondo s'enduit dans Pierrot le fou. Alors, Mewen, vous avez un enfant avec Luc Besson.
mais il a refusé de financer le film. Je lui ai demandé un conseil. Je lui ai demandé dans quelle banque tu es avec ta boîte de production. Ouais. Et il m'a dit, mais pourquoi tu me demandes ça, là, maintenant, tout de suite? Je lui ai dit, non, mais je suis en train de monter ma société, là, il faut que je fasse vite, je fais mon film dans 3 semaines. Il dit, mais je comprends rien, là, quel film, quel argent, quel... Je lui ai dit, écoute, je vais faire mon film avec mon argent, je veux juste savoir si tu as un contact dans une banque, quelqu'un, ouais, banquier sympathique. Il m'a dit, je peux quand même te donner mon avis avant que tu fasses n'importe quoi. Oui, d'accord, dis toujours. Bah, t'es folle. Ouais. Ça ne me fait pas peur, de toute façon, quand on me dit que je suis folle. Je m'en fous complètement. Et je ne l'ai pas écouté. Et j'ai cassé mon assurance vie au départ. Ah bon? Oui, mais ce n'est pas important. C'est que vous avez mis... Non, mais si, c'est important. C'est Bernard Palissy, quoi. C'est-à-dire que vous avez tout ce que vous aviez à la banque, vous l'avez mis dans ce film. Oui, mais après, il y a les producteurs de cinéma qui ont beaucoup d'expérience, qui m'ont rejoint, parce que je n'aurais pas pu continuer toute seule. Et... j'aime pas mettre la lumière sur le côté Cosette, elle a fait son film avec peu d'argent, parce que ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont vraiment émus quand ils sortent du film. 15 minutes de standing ovation à la première, je crois qu'on peut le dire, vous n'oserez pas le dire, mais moi je peux le dire. Oui. Merci. Non ? Oui. Voilà. On regarde à quoi ça ressemble. À faire un film sur ma famille. Mais un documentaire, hein. Avec eux, quoi. Trois petites notes de musique. Vous voulez faire un film avec une toute petite caméra, alors? Enfin, je sais que je vais pas faire la guerre des étoiles avec, mais... Ah non, ça, vous allez pas faire la guerre des étoiles avec, oui, ça, ouais. T'embête pas que je te filme? Non, je m'en fous. Tu me demandes pas ce que je fais, ce film? Qu'est-ce que tu fais, Violette, ce film? Bah, je voudrais te poser des questions sur le passé. Ouais, je sais, j'aime beaucoup mieux le présent. Oui, parle-moi un peu de ton papa. Ah, oh, j'aime pas qu'on parle de lui. Ah bon, pourquoi? Moi, j'ai pas envie de parler de lui, c'est tout. Ça va pas être facile. Voilà. Il faut reconstruire ça, délicatement, sans prendre la place de personne, surtout pas. Pourquoi tu fais ça, franchement? Qu'est-ce que tu racontes? Vraie salope. Alors, qu'est-ce que ça fait de laver comme ça votre linge sale en famille? J'ai cru que mon père, c'était pas important. Je vous avais dit qu'il m'avait battue pendant des années, que je m'en foutais, j'arrivais à en parler sans pleurer. Je me suis menti, voilà. Tu touches combien pour ça? Je touche tout l'amour que j'aurais dû avoir. Ça arrive aussi que les gens se créent des histoires. La mythomanie, c'est pas forcément un truc monstrueux. Tu crois que depuis 5 ans, j'invente tout? C'est toi qui devrais me demander pardon. Je dis que t'es peut-être un peu mytho, voilà. Je veux faire un film qui te dira d'où tu viens. Voilà, Maywen. Pardonnez-moi. Bravo. Eat me. Alors, Youri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour les 24 heures sur la planète sport, donc le week-end spécial où Canal Plus fait le tour du monde du sport, 2 jours de sport en continu sur les 5 continents. Voilà, donc on est content de vous avoir. On est content de célébrer finalement cet événement avec mes confrères de ma nouvelle chaîne que j'aime. Alors, mercredi, donc France-Grèce, 1-0. Comment l'équipe? Ça va. Ça va? Ça va. Ouais. Pas énorme non plus. Mais non, mais bon, l'adversaire n'était pas vraiment de qualité. Ouais. Non, c'est la faute de l'adversaire. Oui, parce qu'un match de foot, ça se joue à 2 équipes. Vrai, ils ne jouaient pas. Ils n'ont pas joué. Ils sont restés derrière, même à 1-0. On s'est fait Catenaccio, ils ont fait. Oui, ils se sont mis. Ouais, c'était pas joli. Alors, vous avez entendu cette semaine Georges Fraîche, là, le maire de Montpellier, c'est incroyable, qui dit qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de France. Comme. Supporteur de Ségolène Royal, ça fera plaisir à Jean d'Ormesson. Lui, il ne lui fait pas du bien, Ségolène. C'est incroyable, non? Il fallait dire qu'il y a des Arméniens aussi dans l'équipe de France. Il y a des Arméniens, il y a de tout. Il y a de tout, comme en France. Il y a surtout des Français. Ben voilà, il y a surtout des Français, absolument. Alors, avant le match France-Grèce, on a rendu hommage donc à l'équipe de 98, la fameuse équipe. On va regarder à quoi ça ressemble.
On croyait pourtant avoir bien fêté les vainqueurs de la Coupe du Monde en 98. Pas assez sans doute, puisque la Fédération a organisé mercredi dernier un nouvel hommage associant les champions du monde 98 aux champions d'Europe 2000. Et comme souvent avec les réunions de famille, ça a tourné au vinaigre. D'abord, il y a eu le problème de ceux qui n'étaient pas invités. Qu'on fête les anciens qui ont réussi. Et je trouve ça super. On aurait pu rajouter aussi ceux de 84 et les Olympiques qui ont gagné aussi quelque chose. Après, il y a eu le problème de ceux qui étaient invités mais qui ne sont pas venus. Seuls 19 champions sur 26 étaient présents. Parmi les absents, Lama, Desailly ou encore Petit, qui avait prévenu qu'il ne serait pas là, mais pas très poliment. J'en ai rien à foutre, j'ai rien à dire et je préfère rester dans mon coin. Allez, on va plutôt se remettre les images de 98, c'est encore celle qu'on préfère. Qu'est-ce que tu veux? Toute ta vie, t'auras ça. J'adore, parce que nous, on kiffe, mais eux aussi. Pareil. Ah ouais, mais tout le monde. Pareil. Voilà, non, merci. Vraiment. Et puis, alors, dis-moi, Yuri, maintenant, il y a prescription, tu peux dire, c'était truqué, la Coupe du Monde en 90. Dis-moi, il paraît que l'autre soir, Zizou faisait la gueule, c'est vrai, là? Pas plus que d'habitude. Pas plus que d'habitude, ouais. Pas plus que d'habitude. Dis-moi, si t'avais un coup de boule à mettre à quelqu'un, tu mettrais à quel joueur de foot, toi? Vraiment un mec que... J'attendrais dans un coin sombre. Ah ouais, ouais. Ah, tu le ferais pas en finale de Coupe du Monde, toi? J'attendrais dans un coin sombre. Ouais. Et dis-moi alors, on a parlé d'une histoire de Zidane la semaine dernière. T'en es où, toi, avec Julia Roberts? Pareil, c'est des rumeurs. Il habite à New York, dans le même immeuble que Julia Roberts. Ah, non, mais il faut arrêter avec ça. Il faut pas arrêter avec ça. C'est ta femme de lutte ou quoi? Non, je l'ai croisée, elle m'a dit, avec son accent, j'en ai marre, quand je vais en France, tout le monde me parle de toi et tout. Ah ouais. Faut arrêter, bon, non, faut arrêter. Ils sont très copains. Ils sont très contents. Tu m'as dit, ce mec, il a été champion du monde, maintenant il habite près de Julia Roberts, tu me fais chier. Ouais, tu m'as dit. C'est je énorme. Je veux faire toi quand je serai grand, moi. Il a bien réussi dans la vie. Ouais. C'est top. Il a bien réussi, Yuri. Ouais. Alors, le ballon d'or, à qui on le donne alors? Moi, je l'aurais donné à Samuel Eto'o. Pas à Dormesson. Moi aussi. Samuel Eto'o. Oui, moi aussi, Henri, là, il a quand même fait deux finales de Champions League et Coupe du Monde. Et je pense que s'il ne lui donne pas, maintenant, ils ne lui donneront jamais. Cannavaro, non? Non. Non, je ne sais pas. Les Italiens, non. Tu as vu, maintenant que je suis sur Canal, je connais le foot. Hein. Ouais, c'est bien. On est obligé. On est obligé, on a des cours. À Canal, on a des cours. On est obligé d'apprendre le sport. Mais je suis très impressionné, moi. Tu as vu la différence. Ah, vraiment. Bah oui, c'est ça. En quelques mois. En quelques mois. Ah ouais. Hit me. Bon, avant de se quitter, comme c'est la tradition dans cette émission, on va faire un petit actu quiz. Ça m'intéresse ou je m'en bats les couilles. Voilà. Toi, tu peux dire, je sais pas, je m'en bats les lolos, je sais pas, ce que tu veux. Bon, je suis un peu désolé, mais c'est comme ça. Bientôt Noël, ça vous intéresse ou vous vous en battez les couilles? Non, ça m'intéresse. Les deux. Ça m'intéresse. Les deux. Bientôt Noël, ma mère, ça vous intéresse ou vous en battez les couilles? Les 15 ans de prison requis contre le rugbyman Marc Cessillon, ça vous intéresse ou vous en battez les couilles? Ça m'intéresse. Ouais. Ouais. Il avait été un câble, le mec. Ouais, et puis je connaissais, il était de Grenoble, quand je jouais à Grenoble et... C'est dramatique. Hein. Ouais. Le livre de PPDA ne marche pas. Ça vous intéresse ou vous en battez les couilles, Jean? Non, ça m'intéresse. Ah, je l'adore. Je ne dis pas que ça me réjouit. Oui. Ça m'intéresse. Ça vous intéresse, oui, d'accord. Amélie Mauresmo n'est plus numéro 1 mondial. Ça vous intéresse ou vous en battez les couilles? Moi, je m'en fous. Non, ça m'intéresse. Ouais. Elle s'en bat les couilles. Ah oui. Ouais. Ouais. 3 millions de Français sont sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est plus qu'intéressant. Ouais. C'est... Voilà. Et s'ils votent, où vont-ils voter? Voilà. On aurait tort de s'en fiche de ça.
On parlait de Le Pen au deuxième tour. C'est comme ça que ça commence. Bruno Gollnisch qui reconnaît devant les juges l'existence des chambres à gaz. Ça vous intéresse? Ah, il oui. y a un progrès. Il y a un progrès, oui. Enfin, il était obligé. Hein. Oui, oui, mais devant les juges, il le dit. Ouais. Oui. Enfin, déjà, en dans sa... parce qu'avant, avant même devant les juges, il ne le disait pas. Ouais. Non, mais oui, mais il vire à gauche. Villepin convoqué dans l'affaire Clearstream. Ça vous intéresse? Ça m'intéresse, franchement. Ouais. Ah oui, ah oui, oui. C'est très, très intéressant, ça. Ouais. Oui. Alliomarie qui passe 11 heures en interrogatoire, lui qui va y aller, tout d'un coup. C'est un grand problème. Alliomarie qui sort en disant « j'ai pas vu passer le temps ». Juste 11 heures, quoi, dans un bureau avec deux flics. Non, sympa. Vincent Delerme qui sort un nouvel album, à moins que ce soit Benjamin Biolay ou Benabar. Quoi. Ça m'en bat les couilles, mais d'une force. On diffuse des films porno aux pandas en Chine pour réveiller leur libido. C'est des pandas qui niquent entre eux ou c'est des... Ah non, non, des films porno d'humains. Ah, d'humains, c'est quoi? C'est les hommes ou les pandas? Ah, c'est ça, moi aussi, j'avais compris ça. Ça, très mignon, les pandas, en train de se... Ça vous intéresse, ça, Yuri? Oui. Oui, non. Toi, ça t'intéresse. Moi, les animaux, la nature, oui, ah, oui, oui, il faut le faire. Nature, oui. Oui. Gaël qui quitte la Star Academy en pleine semaine sans prévenir. Jean d'Ormesson s'en bat les couilles, et toi? Ça m'a foutu un de ses coups, comme de l'herbe. Jay, c'était Salut les Terriens. Merci Mewen, pardonnez-moi. En salle, Jean d'Ormesson, La création du monde, c'est chez Robert Laffont. Yuri Tchorkaeff, merci pour les 24 heures du sport. Et Dominique Farrugia pour Et Après, au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Et le double DVD, Objectif Nul. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et je laisse l'antenne aux 24 heures du sport. Merci. Jay, pick up. Jay, pick up. Jay, pick up. Jay, pick up. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.